Car le chemin sera long. Ok, on vous suit. Ouais. Bonjour les enfants. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Je suis Monsieur Calendrier. Grâce à moi, on voit quand on ramasse les poubelles. Bon, je dois y aller car le travail m'attend. Si vous voulez, vous pouvez faire avec nous le tour des poubelles. Ouais. Allez, venez. Je vous présente Monsieur Poubelle Grise et Monsieur Déchet Tout Venant. Chez moi, on dépose les déchets qu'on ne met pas dans les autres poubelles, car ils ne sont pas recyclables. Le camion va nous conduire dans un incinérateur. Un incinérateur est une usine spécialement conçue pour nous brûler en produisant de l'électricité et de la chaleur. Dans celle-ci, on peut y trouver des déchets organiques, comme des restes de nourriture, des petits déchets de jardin, comme des plantes, des fleurs et des mouchoirs en papier. Il paraît que mon contenu va être décomposé. Peux-tu m'expliquer comment? Les déchets vont être passés dans des cuves. Après un mois, il s'en dégagera un gaz qui produira de l'électricité et de la chaleur, le biogaz. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Personne ne veut me recycler et je me sens seule. Bientôt, le camion passera et tu partiras pour le recyclage. Sais-tu que cela permet de limiter l'abattage des arbres? Viens avec moi, je suis impatiente de prendre la route du recyclage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, nous sommes les vieux vêtements. Souvent, on nous jette dans les bulles bleu terre. On est triés en différentes catégories. 50% sont vendus dans les boutiques terre à petit prix. 35% sont recyclés et réutilisés pour faire des chiffons d'essuyage. 15% sont éliminés car ils sont de mauvaise qualité. On peut trouver plus de 3000 bulles à vêtements en Belgique. Mais savez-vous ce qu'on peut y mettre dedans? On peut mettre des chaussures, de la lingerie ou du linge de maison. On ne peut pas y mettre des vêtements sales, mouillés ou déchirés, ni des chiffons. Au revoir et à bientôt. Bonjour Madame Bouteille Verte. Bonjour Madame Bouteille Blanche. Mais au fait, c'est quoi être recyclé? Vous savez très bien que nous sommes séparés, bouteille verte et bouteille blanche. Je le savais déjà, très cher. Très bien, poursuivons. Après avoir été jeté dans les bulles, on nous amène à l'affinage chez le recycleur. Après, on te traite contre les impuretés. Moi aussi, je veux être recyclé. Savez-vous que nous sommes recyclables à 100%, sans perte de qualité et indéfiniment? Quelque chose ne va pas? C'est Monsieur Yaourt, regardez. Il voulait venir hanter mon sac. Si je l'accepte, les éboueurs me mettront une mer rouge. Que veut dire la mer rouge? La mer rouge, c'est pour toutes les poubelles mal triées. Elles ne sont pas reprises. Mais que va-t-on devenir si nous venons avec toi? Écrabouillé et recyclé. Mais non, voyons le bon côté des choses. Moi, que vais-je devenir? Tu vas sûrement devenir des habits ou des objets en gros plastique. Et moi, j'ai entendu dire que les cartons à boissons devenaient du papier, oui, tu sais. Et Monsieur Métal, que va-t-il devenir? Il va devenir une belle voiture. Vroom, vroom. Et maintenant, on part avec toi. Au revoir, les amis. Continuez à bien trier vos déchets. Promis? Promis. Et maintenant, une nouvelle aventure commence pour nous. Au revoir. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.